Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du lundi 1er août 2022. Alors, nous démarrons le mois d'août. Je tenais à vous faire savoir que je serai présente auprès de vous tout le mois d'août. Je serai là avec quelques petites nuances, à savoir pour les guidances de la semaine. Ce sera plutôt une première quinzaine et une deuxième quinzaine, exceptionnellement, ainsi que les guidances du week-end où il y a une petite modification. Il y aura la guidance du week-end générale sentimentale en une seule et même guidance. Plus pratique pour des raisons de logistique, vous pouvez comprendre bien entendu pour ce mois d'août. Néanmoins, je serai là tous les jours. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez d'agréables moments, que mes tirages, mes guidances, eh bien, vous aident, vous parlent. N'hésitez surtout pas à me faire savoir également les jeux que j'utilise, s'ils vous appréciez, vous appuient moins. Voilà, n'hésitez surtout pas à interagir, ça me fait énormément plaisir de vous lire. Alors, nous nous retrouvons pour ce lundi 1er août, le premier, le symbole du commencement. Voilà, premier jour de la semaine, en 1 en plus, réussite totale en tout. On est sur un nouveau départ, là, hein, on est sur du changement, vous pouvez avoir confiance en votre projet pour aujourd'hui, pour ce que vous démarrez de nouveau, une nouvelle rencontre également. En 1, c'est une évidence. On peut aussi indiquer que, par exemple, en professionnel, vous pouvez démarrer quelque chose. Vous pouvez, qui n'a rien à voir forcément avec ce que vous faisiez auparavant, hein. Vous démarrez autre chose, vous êtes sur une nouveauté là. Dans le sentimental, lorsqu'on vous dit, c'est qu'il est temps également de faire table rase. Le passé est derrière, on renouvelle des choses dans sa relation de couple, et on met en place des nouveaux projets par exemple. Alors, le lundi, associé à la lune, on est dans les émotions, on est dans la créativité, la féminité, la maternité, c'est des émotions toutes douces en fait, hein, dans le partage aussi. La journée associée, la couleur associée au lundi, c'est le blanc et le jaune pâle, c'est des couleurs également très, très, on va dire, douces. Alors, pour cette journée de 1, on peut avoir les traits positifs d'être dans l'initiative, d'avoir envie d'être indépendant, d'avoir une certaine volonté et une détermination, et donc du courage également. Bien entendu, il a ses côtés négatifs aussi. Bon, on peut avoir un excès de confiance en soi. On peut être un petit chouïa agressif et égoïste, et être un petit peu aussi entêté. Voilà ce que l'on peut dire pour notre journée du lundi 1er août. On va regarder avec Monsieur Augure Blanc le conseil ou la mise en garde que l'on a pour ce lundi 1er août, s'il vous plaît, Monsieur Augure. Lundi 1er août 2022. Lundi 1er août 2022. Alors, lundi 1er août 2022. Vélitation. Bien, vélitation. Alors, pour ce lundi, dans les heures à venir, vous pourriez recevoir un signal, une alerte, qui doit vous mettre en garde contre un possible problème plus complexe. Ce message qui vous est envoyé ne devrait pas être pris à la légère. Trouvez sans tarder comment modifier la situation. Même si cela n'est pas agréable, attendre serait une mauvaise option. Là, on vous met en garde, je pense. Le sujet pourrait concerner votre psychisme, vos pensées ou vos valeurs. Voilà, c'est un signal qui peut arriver là, cling-cling, un léger signal, une alerte en fait, de ne pas prendre les choses à la légère en cette journée du lundi 1er. Bien, on va regarder avec Monsieur 32 ce que il se présente à nous pour cette journée du lundi 1er. Août, lundi 1er août. J'espère que pour ceux qui sont en vacances au mois d'août, vous démarrez d'agréables vacances. Pour ceux qui ont repris le travail, je vous souhaite bon courage. On parle de travail. Vous allez avoir des nouvelles là.
Alors, des nouvelles de la hiérarchie. Vous allez avoir des nouvelles d'une responsable de service. Ça peut déjà avoir eu lieu d'ailleurs vendredi, hein. Alors, lundi 1er août 2022. Ou alors, ça aura lieu pour notre lundi, mardi, mercredi, 3 jours avant, 3 jours après. À la coupe, nous avons des papiers administratifs, des nouvelles d'une jeune fille brune, des papiers administratifs, un petit remboursement peut-être. Au sein du foyer, de la maison, vous pouvez avoir, ah, attention, vous pouvez avoir des nouvelles. Alors, si c'est une jeune fille brune, elle est forcément mal accompagnée, ou en tout cas, il y a des gens pas très agréables autour d'elle. Attention concernant tout ce qui est signature de papier administratif également. Prudence, prudence. Allez, c'est parti, nos 13 cartes. Et 13. Alors, petit peu par là. Bien. Alors, l'argent. L'argent est là, les amis. Vous êtes en attente d'argent? Regardez, contrat. Contrat, argent. Avec certitude. Vous y pensez, vous allez avoir des nouvelles, vous y réfléchissez et assez rapidement, hein. De ce fait, vous allez peut-être devoir vous déplacer. Alors, ça peut être pour votre fils ou avec votre fils, votre meilleur ami ou votre frère. Il est bien question d'argent, les amis. Pour votre homme de cœur, votre chéri, en tout cas de l'argent autour de votre chéri, de votre homme de cœur, d'une personne qui compte énormément pour vous. Alors, il peut y être question aussi de votre fille, de votre meilleur ami, de votre frère, n'importe quoi, de votre fille, de votre meilleur ami ou de votre sœur. Ça peut être votre frère, oui. J'ai l'impression qu'il y a des personnages familiaux là. Alors, ça peut être un couple aussi qui a les cheveux clairs, par exemple. Moi, je l'assimile instinctivement aussi à ça. Il peut être question d'argent aussi, votre chérie, ou votre papa. Et votre fille, l'histoire de famille. Et là, vous êtes là, ma consultante, ou une femme proche de vous, mon consultant, vous inversez. On a une histoire de famille avec l'argent là. Bon, là, il y a un souci, enfin un souci. Il y a une contrainte, il y a une colère. Hein. Il y a une colère peut-être pour vous concernant de l'argent. C'est peut-être un souci d'héritage, un souci financier. On vous doit peut-être de l'argent, hein, autour de votre papa, de votre fille, de votre meilleure amie ou de votre sœur. Il y a une colère, il y a une colère financière là. Il y a un face-à-face, un face-à-face peut-être avec vous, votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, ou bien un face-à-face pour cette dame. Ça concerne bien. Alors là, nous avions une grosse somme d'argent. Ça peut concerner aussi votre colère sur un papier qui est bloqué. S'il y a un papier qui est bloqué, vous ne pouvez pas toucher votre argent. Bon, c'est de courte durée parce qu'il va y avoir une réussite là-dessus. Attention, vous avez une dame de carreau autour de vous. Vous avez une dame pas bonne. On a vu tout à l'heure qu'elle pouvait être dans le domaine professionnel, mais là, elle n'est pas dans le domaine professionnel. Hein. Autour de votre réussite, il y a une dame. Une femme qui ne vous aime pas, qui peut poser un problème. Dans le foyer. Alors, ça peut être cette dame, puisque je vois qu'elle est accompagnée là, pas loin de votre homme de cœur, son ex-femme, qui vient vous poser des problèmes financiers justement à votre chérie. Ça peut être sa sœur également. Ça peut être votre belle-mère, si votre papa est remarié. Il y a un problème financier familial là. On a quelque chose de très officiel qui peut être acté, qui peut être décidé concernant les finances avec une dame de carreau pas loin. Elle est dans la famille, hein, c'est familial. Hein. Soyez extrêmement vigilant autour de vous, autour de votre homme de cœur. Bien. Il y a de la maladie là. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui n'est pas bien autour de vous?
Il y en a une, de toute façon, psychologiquement, elle n'est pas bien, hein, dans sa tête, ça c'est sûr. Elle est mauvaise. Et elle concerne, de toute façon, c'est manger, hein, ça va aller beaucoup mieux, puisque là, on a la carte la plus forte, les projets, les amours, le sentimental, c'est très joli. J'ai l'impression qu'il y a un souci familial pour certains d'entre vous concernant les finances, ça peut être un héritage. Il y a un problème de santé aussi concernant une dame de carreau, peut-être pour vous, ma consultante, hein, ou une femme proche de vous, mais en tout cas, il y a une femme pas bonne autour de vous qui tourne autour de votre chéri, qui tourne autour de votre papa, ou de votre soeur, de votre meilleure amie, de votre fille. Alors, on va regarder combien de 10? Il n'y en a qu'un. Il y a trois as. Alors, trois as, c'est le coup de chance à l'horizon, une opportunité. Il y a quelque chose de bon qui va se présenter. Soyez quand même vigilants avec cette dame de carreau, hein. Nous avons trois dames. Alors, trois dames, rivalité, commérage, méchanceté. Oui, non. Si, oui, non. Bah, si. De toute façon, on l'a vu avec la dame de carreau, hein. Donc, il y a bien de la rivalité, de la méchanceté. Il y a donc trois as, trois dames, huit, on en a deux, neuf, nous en avons qu'un. Et sept, c'est bon. Bon, j'ai rien oublié. Alors, concernant les finances, c'est vous qui êtes concernée, ma consultante, ou une femme proche de vous, une femme aux cheveux bruns. Vous êtes concerné concernant le financier, très officiellement, ça peut être un homme de loi, ça peut être un responsable, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, une histoire de papier. Là, on est dans les papiers très officiels concernant les finances. Il y a une réussite au sein de la maison, du foyer, concernant l'immobilier pour d'autres. Attention, concernant vos projets, ce qui vous tient à cœur, ça peut être aussi dans le sentimental, il y a une colère. Il y a une colère entre... pour un couple aux cheveux clairs, ou bien une colère pour votre papa avec votre fille, votre meilleure amie, c'est familial, donc je pense que c'est votre fille ou votre soeur. Il y a une dispute, ça peut être avec votre chérie aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a une dispute familiale, il y a un face-à-face qui va être obligé de se faire, mais c'est en allant voir une femme qui n'est vraiment pas bonne du tout. C'est peut-être même elle qui a un souci, on va dire, psychologique. On va en mettre une sur cette fameuse dame, voir un peu la dame de carreau. Alors, pas de bol pour vous, j'ai envie de dire, parce que vous allez devoir vous déplacer et vous retrouver face à face avec elle. Alors, notre dame de carreau, c'est qui, c'est quoi? Et c'est dans le travail. Les amis, pour ceux qui travaillent professionnellement, c'est un face-à-face qui va s'imposer face à une femme qui n'est vraiment pas bonne. Il a peut-être déjà eu lieu votre face-à-face, hein, d'ailleurs. Ça peut être représenté une femme, une chef de service, quelqu'un, vous savez, qui est droite, qui a de l'autorité. Voilà, il y a un souci autour avec elle, hein. Il y a un problème avec elle ou pour vous à cause d'elle. Et là, on voit bien que vous pouvez aussi, dans votre activité, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, être obligé d'avoir un face-à-face, ou vous avez peut-être eu un face-à-face d'ailleurs. Elle n'est pas bien dans sa tête, cette femme. Ou de toute façon, c'est une femme qui est mauvaise, elle n'est vraiment pas bien. Et vous allez, de toute façon, on a vu après, avoir le dessus sur cette femme. Méfiez-vous pour un face-à-face. Sachez que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas très sympathique et qui peut être dans le domaine professionnel. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs ce que nous retrouvons pour notre lundi 1er août. Lundi 1er août. Lundi 1er août. Lundi 1er août. Alors, à la coupe, nous avons un grand oui, les amis. Il y a une belle réussite, il y a une victoire. Wow, regardez ça. Pour certains, il y a un grand oui, doublement, avec une victoire, hein, qui peut concerner. Vous avez le dessus sur la jalousie. Hein. Et a priori, on vous jalouse, C'est dans le professionnel pour certaines personnes, hein, ou en tout cas, si ce n'est pas dans le professionnel pour certaines personnes, où on voit qu'il y avait de la jalousie et vous êtes montré du doigt, vous avez le dessus sur ces gens-là. Hein. Par rapport à la jalousie et au fait qu'on vous monte, vous accuse de choses et d'autres, vous faites un gros travail sur vous-même. Et de toute façon, regardez, la chance va tourner, les amis. En tout cas, je vous le souhaite.
Allez, hop. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Toc. En dos, nous avons... Il y a quelque chose qui va être décidé, acté, qui va vous permettre peut-être de vous déplacer, de vous avez peut-être décidé de partir, vous avez peut-être décidé de prendre de la distance par rapport à une situation, qu'elle soit familiale, professionnelle ou sentimentale, et vous avez la victoire dessus. Ou alors, quelque chose a été décidé et vous prenez beaucoup de distance par rapport à cette situation. Alors, nous retrouvons notre grand oui, les amis. Vous allez devoir prendre la parole. Pour démarrer quelque chose de nouveau, ou pour certains, il y a un examen de réussite pour un enfant. Une belle évolution. Vous allez pouvoir remonter les marches. Les amis, suite à ce nouveau démarrage, il y a un gain d'argent. On le retrouve là, ce gain d'argent. En tout cas, il y a l'argent qui est là par rapport à un retour de situation, un revirement avec un homme ou pour un homme. Ça concerne le foyer, on l'a vu tout à l'heure avec le jeu de 32. Hein, et vous allez pouvoir aller, il y a du changement qui s'annonce. Alors, est-ce que là, c'est homme, on peut dire femme, hein, il y a l'argent qui arrive enfin pour certaines personnes qui rentrent et on va de ce fait occasionner un changement par rapport au retour d'une situation. Pour certains, ça peut être le retour justement de quelqu'un. Et vous êtes protégé ou vous vous en protégez, car avec le temps, nous partons vers d'autres cieux. Alors, c'est un beau tirage, hein. Il y a un grand oui pour certaines personnes. Vous allez devoir prendre la parole, discuter, dire les choses, peut-être expliquer votre nouveau projet qui est là. On voit bien que vous avez envie de gravir des échelons. Vous avez envie de voir d'autres cieux. Manquez peut-être plus que l'argent. En tout cas, l'argent est là. Elle arrive parce qu'il y a eu un retournement de situation. Et ce retournement de situation, il y est également pour vous ou pour un homme, pour une femme ou les deux d'ailleurs. De ce fait, c'est également le foyer. Alors, peut-être que vous avez vendu votre maison, par exemple. Ou peut-être que vous allez pouvoir acheter. La maison est là, on se projette bien pour un nouveau changement. Il y a un retour de situation, un retour d'événement qui fait que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et avec le temps, où il a fallu de la patience, mais on voit qu'avec le temps, on va pouvoir voyager. On va peut-être pouvoir déménager s'il est question d'immobilier. Pour d'autres personnes, il y a un grand oui. Vous allez devoir discuter et expliquer peut-être à vos enfants que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau par rapport, il vous manquait peut-être l'argent. L'argent, il arrive, il est là. Et que vous savez qu'il y a un retournement de situation, peut-être un retour vers le passé. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est là, qui est bel et bien là, au sein du foyer. Et au sein du foyer, il va apporter du changement parce qu'il revient. Vous avez le retour peut-être de quelqu'un pour lequel vous vous protégiez, mais de toute façon, il est là. On voit qu'avec le temps, il y a un nouveau démarrage, un voyage. Voilà les amis. On va regarder avec Monsieur Béline ce que nous retrouvons. Monsieur Béline, pour notre lundi 1er août. Lundi 1er août. Lundi 1er août. Lundi 1er août. À la coupe.
Oh, attention, des pourparlers, des discussions. On a vu que vous alliez prendre la parole. Eh oui, vous allez prendre la parole peut-être aussi. Attention, des discussions parce qu'on vous observe. Tout simplement, vous avez découvert qu'on vous observe. Alors, il y a une invitation. Peut-être que vous allez devoir justement expliquer vos envies de prendre l'air, de vous reposer, de partir à la campagne, de voir d'autres, voilà, d'autres choses. Il y a peut-être aussi lors d'une invitation des discussions un petit peu, on va dire, vives, qui vont vous demander de calmer le jeu, de voilà, on pose, on pose, on pose, et vous avez l'appui. Waouh, joli. Joli, joli, joli. Vous avez peut-être découvert aussi qu'on vous observait. Alors, Monsieur Béline. Petite carte pour nous. Alors, ah, trahison, trahison. Bien, des gens pas bons autour de vous, mais vous avez la renommée, hein. On essaie de ficher en l'air votre renommée, mais on pense à vous. Alors, on va recouvrir tout ça. Il y a de la trahison, il y a des gens pas bons, il y a de la méchanceté autour de vous. On a vu tout à l'heure qu'on vous montrait du doigt, qu'on essayait de vous critiquer. Bon, vous avez la renommée, ou alors on essaye de jouer sur votre renommée, de vous la ficher par terre. Mais de toute façon, vous avez le soutien d'un ami. Bon, c'est que du bonheur. Donc, de toute façon, vous avez le dessus par rapport à vos détracteurs. Là, il peut y avoir une discussion vive, il peut y avoir un procès, mais vous avez la renommée dessus. Et c'est attention, c'est dans le travail, hein, vous avez le soutien. Il peut y avoir pour certaines personnes, dans le travail, des gens mauvais. Hein, bon, vous avez le dessus, mais vous avez peut-être été obligé d'aller en justice ou de. Il y a quelque chose d'officiel là au-dessus, autour de ça. Hein. Il y a eu peut-être un genre une trahison, on va dire, qui vous a mis à mal dans votre bonheur. On voit très bien qu'il y a quelque chose de très officiel là, qui a peut-être mis à mal votre renommée, ou bien qui vous aurez le dessus, hein, mais difficilement. Il y a peut-être, il y a du soutien, pensez amitié, il y a des gens bien autour de vous, niveau travail, au niveau projet, si c'est des projets, au niveau activité, hobby, si c'est des activités hobby autres que le professionnel. On voit quand même une tension, il y a quelque chose de litigieux là, oui, parce qu'il y a un changement. Alors, c'est ce changement qui peut être litigieux. Peut-être que ce changement est intervenu, on va dire, brutalement. Vous avez l'impression d'avoir été trahi. Voilà, les amis. Alors, on va prendre une petite carte du petit oracle du tarot pour notre journée du lundi 1er août. 8 de bâton. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche, ne fait rien, laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Bon, c'est un beau message assez fort, hein? Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera. N'oubliez pas de mettre un pouce j'aime pour faire grandir la chaîne. Merci, merci en tout cas de me suivre pour votre fidélité, votre soutien. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.